Oh, sa mère. Oh. Oh, non. Mais pourquoi je suis tombé devant lui? Hein, mais attends, mais il est pas... Oh. Ah, mais c'est fini. Ah. Le prochain niveau, il est là-bas. Il est dans cette baraque. Récapitulatif un petit peu de tout ce qui s'est passé dernièrement. Rappelez-vous, on a un voisin très chelou. On est allé chez lui, il y avait un policier, on a enquêté un peu chez lui. On a enquêté dans une boulangerie, etc. On a trouvé les clés d'un manoir dans lequel se trouve ce voisin. A priori, il y aurait quelqu'un dans son grenier. Enfin bref, faut qu'on enquête sur ce manoir. C'est parti les gars, on continue l'aventure. Oh là 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 là, let's go! La dernière fois, on avait enquêté un peu dans le manoir, etc. Et on s'est réveillé et les corbeaux étaient au-dessus. Bah attends, bah d'ailleurs c'est bizarre qu'il n'y ait plus de corbeaux là. Parce que je m'étais réveillé et les corbeaux étaient tous au-dessus de cette maison. Et les gars, on sait que les corbeaux, quand ils sont au-dessus d'un endroit, ça veut dire qu'il faut aller à cet endroit là. Donc je suppose que la suite de la... Ah mais si, il y a un mec. Regarde, il y a un mec à l'intérieur. Et bah c'est ça les gars, la suite de l'aventure, il va falloir enquêter sur cette maison. Venez, on regarde un peu le tour. Est-ce qu'on commencerait pas par escalader sur le toit direct? Attendez. Est-ce qu'il peut me choper sur le toit? J'ai peur, je sais pas s'il peut sortir dehors. Je sais pas si... Oh. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un... J'ai l'impression que je peux tomber. Mais attends, mais c'est un clocher en fait. C'est quoi cette maison? Je comprends pas bien là. Oh. Oh, il y a une pelle. Oh. Ça les gars, ça sert pas à rien. Il va falloir déterrer quelque chose je pense hein. Est-ce qu'il faut creuser dehors? Dans les serres, il y a quoi dans les serres? On peut pas ouvrir? Ça, ça sert pas à rien les gars. Eh, hey, me faites pas croire que ça sert à rien ça hein. Il m'a l'air d'être au rez-de-chaussée. Est-ce que je peux passer par là? Ok les gars, je... Oh sa mère. Il y a une boîte. Je peux l'ouvrir là? Non, je peux pas ouvrir. Oh sa mère. Mais pourquoi il y a une cloche? Quand tu ouvres la porte, elle fait un bruit de ouf. Bon, c'est pas grave. Au moins, je l'ai attiré de l'autre côté. Ok, il est en bas. Je peux... Attends. Oh. Ok, les gars. Il va falloir remplir un plan. Je pense... Oh, il y a un pied de biche. Ok, il est en bas. Oh. Attends, mais il ressemble à quoi? Mais j'ai toujours pas vu le personnage. J'ai envie de voir le personnage, à quoi il ressemble. Oh. Wesh. Attends, il a un flingue. Hein? C'est un chasseur. Wesh. Attends, il arrive. Quoi? Attends, mais il sort même dehors. Hein? Il va me tuer lui. Ah ouais, non mais là, lui faut pas le faire. On s'incruste dans la maison d'un papy avec un flingue. Non mais c'est, non. Ok, il est là. Attends, mais il y a même un sous-sol, j'avais pas vu. Il y a un étage, un rez-de-chaussée et il y a un espèce de sous-sol en vrai. Oh, mais attends, elle est grande la maison quand même. Oh. Après en vrai, oh. Il y a une clé les gars. Ah, il y a un pot de peinture. À chaque fois je trouve des pots de peinture, je sais pas quoi en faire. Ah, je peux monter ici ou pas? J'espère que je l'ai pas attiré. Oh, attends. Oh. Wouah, eh les gars, ça fait peur. En fait, la maison, elle est... Toutes les maisons dans ce jeu, elles sont étroites. Je sais pas, fallait prendre quoi. Oh. C'est bien. Je suis en train de creuser des passages partout dans la maison, les gars. Il m'a vu là? Il me poursuit pas là, pourquoi il y a la musique? Non c'est bon, il est pas derrière moi. Oh! What? Attends mais ils sont deux dans la maison? Comment il s'est retrouvé là-bas alors que j'étais à l'étage? Attends, ça c'est quoi? Oh. Ah, je peux poser un truc ici les gars. Je peux poser... Ah, faut trouver une deuxième corne. C'est une espèce de corne de cerf, un truc comme ça qu'il faut poser, ok. Ah bah là. Oh attends. Ok. Ah mais non. Oh. Oh. Ah, je suis bloqué. Oh sa mère. Oh wesh. Ce que je viens de faire les gars, je suis un monstre. Ok, là je l'ai attiré. Je l'ai attiré au rez-de-chaussée et je retourne à l'étage. Les gars, j'ai envie d'enquêter sur l'étage là. Wesh. Attends mais pourquoi je suis monté sur le toit? J'ai même pas fait exprès de monter sur le... Oh. Attends, mais je viens de trouver un passage de ouf là. Je viens de trouver un passage de ouf. Oh. Wesh. Oh. Wesh. Attends, il fait bader là. Faut poser un truc ici, vous croyez? Attends, j'ai activé quoi là, le sanglier? Attends, mais c'est bizarre. Le sanglier, il s'est remis normal. Ok.
J'ai réactivé le sanglier, les gars. Je sais pas ce que ça active, en fait. Faudrait trouver. Ça veut dire que là, ça a dû activer un truc dans la maison. Faut peut-être que je me dépêche de... Enfin, je sais pas, c'est dur, hein. Oh, attends, faut peut-être activer celui-là. Faut sûrement activer... Attends. Ok. Oh, je suis bloqué. Oh. Wesh, qu'est-ce qui vient de m'arriver, les gars? Attends, mais il a tiré, là. Il est encore en haut? Non, il est plus en haut. Je pense qu'il faut activer les deux sangliers en même temps. Ok. Sanglier 1, activé. Ok. Tac. Et si j'active le deuxième sanglier, peut-être que ça va faire un truc. C'est bon, là? Ça a rien fait du tout. Oh. Attends, mais j'avais pas vu ce passage. Eh, mais les gars, mais vous savez que c'est un truc... Oh, oh non, il m'a chopé! Il m'a chopé, wesh, il m'a fait trop peur! Attends, mais je suis arrivé dans un endroit de zinzin, là. Ce jeu, je suis choqué comment à chaque fois, t'as l'impression d'avoir tout exploré. Et en fait, il y a encore un truc, il y a encore un truc. Il y a 5 têtes de sanglier à activer. Ah ouais? Oh, il m'a tout repris, les gars. J'ai quand même envie de retourner où j'étais, mais ça fait peur parce que c'est un cul-de-sac. Il est là. Il est en bas. On le voit. Ça en va? Là, il n'y a rien à activer. Oh, attends. Je peux le récupérer, ça, ou pas? Oh. Wow. Okay. J'ai eu chaud. Oh, ici, il y a une tête de sanglier. Ok, donc j'ai 3 têtes. Ah, faut... Attendez... Ah, il a un plan. Je peux pas le récupérer? Je l'ai vu arriver. Oh, j'ai eu chaud. Et ça, je peux... Ah, voilà, ok. J'ai pris l'interrupteur pour mettre à l'étage. Ok. Et sûrement que... Je vais pouvoir prendre le plan. Ok, d'accord. Très bien. Ça, c'est parfait. Je me cache là-dedans. J'ai l'impression qu'il va arriver là. Ok, il arrive, j'ai bien fait. Les gars, j'ai bien fait de me cacher. Ok, j'ai réussi à récupérer un plan dans la gueule de l'ours. On est pas mal, hein? Eh, c'est dur, mon cerveau, il est en train de bouillir. En même temps, je suis dans un état de stress, mon pote. T'es mal avec son flingue. Ok. Parfait. Et là, il y a des trucs... Wow, wow, wow. Ok, parfait. Je suis au-dessus de lui, les gars. Normalement, il devrait pas me voir. Il y a des serres avec des bois partout, mais... Oh, attends, mais il y a un B ici. Oh, j'ai récupéré un B. Bon, je vais pouvoir descendre, je pense. Ok. Là, il est à l'étage. Les gars, je vais en profiter. Je vais enquêter dans le sous-sol. Ah, je peux pas prendre. Ah, j'ai plus de place. Attends, il est en train de monter, là? Je sais pas s'il est monté à l'étage. Mais hé, ça, je vais le jeter, ça, hein. Ça, je le jette, hein. Ah ouais, bah, je l'ai envoyé dans un autre pays, frérot. Ça, je vais le poser, comme ça prend plus de place. Ok. Apparemment, ça doit se mettre là. Ah non, peut-être pas, hein. Ah, je sais pas où ça se met. Il va falloir compléter un puzzle. Ça se met là. Ah oui, voilà. Ça a l'air d'être le côté gauche, le côté droit. Il faudrait que je trouve un autre plan, maintenant. Je peux pas monter, là? Ok, je peux pas monter. Attends, mais il met des pièges maintenant! Non, mais on est où là? Mais c'est un malade! Mais le problème aussi, c'est que la maison elle est très grande. Et. Oh, je peux pas. En fait, la maison elle est grande. Donc c'est bien pour l'esquive. Mais en même temps, ça crée un problème.
C'est que du coup, j'arrive jamais à en sortir. Le frigo, frigo, pourquoi tout le monde me spamme le frigo? Oh. Le frigo. Le frigo. Ah! Oh! Oh. Devant ses yeux. Ok, donc les gars, on a vu le frigo, il faut que je trouve deux autres lettres. Je crois un F et un C. Oh! Oh! Mais il met des pièges dans sa maison! Mais il met des pièges dans sa maison maintenant! Non mais là c'est trop! Les gars, vous savez quoi? Je vais essayer d'activer les quatre têtes de sanglier. Et par contre, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a sûrement une cinquième tête de sanglier quelque part que j'ai pas trouvé. Moi pour moi j'ai l'impression que j'ai envie de dire qu'il y en a une à chaque étage. Après je sais même pas ce que ça active, mais bon. Les gars, vous êtes prêts? Là ça va être la course. Hein. Les têtes de sanglier, le temps est compté. 1, 2, go. Oh, je vais attendre là. Je vais attendre là que ça se réactive. C'était la pire course du monde. Fais le cerf avant, c'est le cinquième. Ah, le cerf, c'est le cinquième truc à activer, vous me dites? Ici, il faut toujours que je récupère une corne là, je sais pas quoi en faire. Oh! Tombe. Il est où? Ok, il était en train de descendre, on l'a vu. Hein. J'arrive pas à fouiller la pièce principale, ça me rend ouf. En même temps, là, j'étais pas très... Oh, mais mec! Oh, oh! Quoi? What? Mais attends, mais il est trop fort! En fait, il me tire dessus! Et quand il me tire dessus, je peux plus bouger! Non, mais mec, il m'a fusillé! Faut que je retourne sur le toit pour récupérer ma pelle. J'en ai marre. Eh, hey, les gars, dernière fois que je récupère la pelle. Hein. Après, j'irai la chercher quand j'en aurai besoin. Hein, parce que là... Eh, hey, mais il est trop fort, le chasseur! C'est une dinguerie! C'est une... Oh! Ouais! Oh là là, je suis un génie. Mais heureusement, je suis parti récupérer la pelle. Oh, le C! Oh, la lettre C qui tombe directement, qui fait plaisir. Ok, du coup, il faut plus que trouver le F pour le frigo. Bah après, je sais pas à quoi ça sert d'écrire sur le frigo, mais je pense que ça doit te servir à quelque chose. Hey, est-ce que je peux creuser à des endroits dans le jardin? Je peux... Sous ça, là. Je peux pas creuser sous ça, c'est... Oh, le plan. Les gars, on parie ou pas? Le plan qui est à l'étage. Je suis sûr que quand il est complet, il donne un indice sur l'endroit où faut creuser dans le jardin et ça doit donner une clé, un truc comme ça. J'en suis sûr. Il est redescendu. Pas idée. Ok, cette porte, je peux peut-être m'en... Ok, il remonte. Parfait pour moi. Oh. Wow, attends, c'est toc. Ah non, ok, c'est le sous-sol ici. Ici, je suis pas allé. Oh. Oh, je peux pas prendre ça. Oh, il y a une échelle. Oh, il y a un canard. Merde. Oh mince, j'ai fait du bruit. Je sais pas s'il est à l'étage. Non, il est pas à l'étage. Purée, mais il est où? Oh. Attendez, bon, il me manque la lettre F. Il me manque plein de trucs là. Je suis mauvais, c'est pas possible. Eh hey, mais attends, mais il me manque trois plans. Mais c'est super dur. Mais en fait, je pense que le plan, c'est le truc final. Dans le coffre. Mais on peut pas l'ouvrir, les gars. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quoi? Mais attends, mais je me suis fait attraper gratuitement là! Il était en bas! Je suis tombé dans le trou, vous êtes en train de me dire! Non! Il est où le bois de cerf là? Je devrais le trouver, le bois du cerf, non? Le bois du cerf, il doit pas être caché dans un endroit particulier. J'ai envie de tester d'allumer tous les sangliers, mais j'ai l'impression que c'est pas. Oh! Je trouvais. Non, il y a un balai de sorcière. Et c'est quoi le pot de peinture? Je le prends. Tu l'as vu ou pas son canon? Oh, son gros canon sur moi là! Non, mais c'est trop! Non, mais c'est un harceleur! Ok, il est parti en bas. Oh! La lettre F! Oh, la lettre F dans les chiottes! Hop! Oh! Oh! Oh mince, mince, mince! Non, 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 non! Oh, 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 oh. Le piège à ours en plus pour s'échapper! Ok, les gars! Oh! Oh, mais! Arrête! Oh! Il va me tirer dessus! Faut pas que je le laisse me tirer dessus! Non, mais attends, mais il est super fort! Comment il devine à chaque fois que je suis où? Ok, hop! Ok,
Ah, ça l'a activé. Ok les gars, j'ai activé le cerf. Donc à partir de maintenant, le cerf est activé. Donc là, je pense qu'il faut sûrement activer les 4 têtes de sanglier. Les gars, j'ai les mains moites. Je vous mens pas, j'ai les mains moites. Je suis à fond dedans. Les têtes de sanglier maintenant. Ça, on active. Et mince. Ok, je m'en vais. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va aller tout en bas. Hop. Tout en bas. Tête de sanglier. Ok, lui il va sûrement descendre. Attends, je fais du bruit. Voilà, je sais pas si ça a fait du bruit, si ça va l'attirer, je sais pas. Ah, mais ça va être trop tard là. Je me suis jeté sur lui, je suis allé lui faire un câlin, frérot. J'ai cru que c'était mon daron, je suis allé le voir en mode let's go. 1, 2, allez go. Ok, c'est parti. Tac. Ah, c'est bon, c'est pas grave. J'ai cru. Oh, j'étais blessé. Ok, hop. Tête de cerf. J'en ai rien à faire, je passe par là. Mais regarde! C'est trop! Ok, il est descendu. Tête de cerf. Et la dernière. Allez, dis-moi que j'ai le temps. Oh! Ça fait un truc. Si les gars, ça a marché. Vous avez entendu ou pas? Ça fait gris. Et du coup ça, je pense faut... Ok, oh, bah regardez, on commence à voir l'endroit. Voilà, il va falloir creuser là-bas. La maison jaune, là il y a le chemin. C'est derrière la maison, derrière un arbre vert. C'est sûr, c'est ça, j'ai pas besoin de plus. Oh, je me suis fait caca dessus. Oh, il est où? Il est où, il est où, il est où? Non, non. Mais c'est trop! Wesh, à chaque fois il arrive à me tirer dessus! Mais mec, il a un shoot de. Wesh, c'est Nikoff le mec ou quoi? Oh, j'ai plus que mon ciseau, j'ai plus de pied de biche! C'est pas grave! Je lâche jamais moi! Je reviens à l'assaut! J'ai pas peur! Carrément, j'ai jeté mon ciseau. Là, il y a le chemin de la maison, regardez, on voit à peu près. Là, il y a le chemin. Donc, l'entrée principale, elle est là. Donc, derrière cette entrée principale, ici, il faut que je creuse. Vers là, je pense vers là. Il y avait écrit derrière un arbre. Ah non, l'entrée principale, elle est là, les gars. Et je suis un fou, l'entrée principale, elle est là. Pour de vrai, il me faudrait peut-être le plan vert pour me rendre compte mieux. Là, il y a des cailloux et de l'eau. Il y a des cailloux et de l'eau. C'est là-bas. Oh, regardez. Là, il y a les cailloux et l'eau. Voilà. Donc, c'est quelque part là. Faut que je creuse quelque part ici. Je pense que c'est ça. Non? Je peux pas creuser ici. Après, si ça se trouve, j'ai pas tout terminé et du coup, j'ai pas le droit de creuser peut-être. Mais hey, pour moi, c'est là. Moi, je suis prêt à parier que c'est ici, les gars. Sauf que je suis sûr qu'il faut finir le plan avant de pouvoir creuser. Mais moi, j'ai pas besoin, moi. Je suis plus intelligent. Regardez, il me faut une clé pour ouvrir ça. Donc, je suis censé trouver une clé quelque part. Mais après, je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. Je peux rien fouiller. Faut peut-être. Faut que je regarde plus les murs, les gars. Tableau. Non. Oh, non, il m'a shooté. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien... Mais il est trop fort. J'ai plus rien. Je suis à poil. La clé est sur lui. Ah ouais. Bon, attendez, parce que les gars, là, je pense que j'avais trouvé un bon truc. Je pense qu'il faut que je regarde beaucoup plus les murs. Regarde, il y a des tableaux et tout. Ça, on peut vraiment pas l'ouvrir. C'est bizarre qu'on puisse pas l'ouvrir, ça. Ça, je peux pas prendre, je peux pas prendre. C'est trop dur, c'est... Oh, faut couper l'oreiller. L'oreiller. Je crois le ciseau, il est au sous-sol. Mais vous voyez ce jeu, comment il est dur quand même. T'as l'impression d'avoir fait 20 fois le tour de la maison, il y a encore des trucs à découvrir. Il était où le ciseau? Il est là, 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 là. Ok, parfait. Voilà. Ça, c'est parfait pour moi. Comment ça s'y est dessus, là? Il sait que j'ai beaucoup enquêté. Oh, j'ai une clé. Oh. Mais depuis le début, j'aurais pu avoir la clé du cadenas tout en bas, là. Juste fallait découper l'oreiller, mais c'était super facile. Ok, il est parti.
Vous entendez? Il a une clé sur lui. Il y a quelqu'un dans le chat, il m'a dit il a une clé sur lui. Et là, vu le bruit il fait, on dirait clairement il y a un trousseau de clé sur lui. Ok, j'ai récupéré un nouveau plan. Oh, par contre, comment j'ai failli me faire choper, mec. Non. Ok. Oh, mais il y a des chiffres. 8016. Je pense qu'il y a un endroit où faut mettre des chiffres, les gars. Il y a un code. Ok, le code ne sert pas à rien, ça, c'est sûr. Mais, hey, j'ai vu aucun coffre avec des chiffres. C'est bizarre. Peut-être juste je dois trouver un truc. Une fois que j'aurai tout trouvé, je pourrai aller creuser. Et ça, ça sera le code pour ouvrir le coffre qu'il y aura derrière l'arbre. On va essayer de trouver le dernier plan. Tu te trompes pour creuser, regarde mieux le plan. Ah ouais? Et si, regardez, là, la maison, il y a un chemin. Et là, il y a une croix derrière un arbre. Et ça, c'est le chemin avec la rivière, enfin, avec le pont qui mène à la mer. Regardez, là, il y a le pont qu'on a vu sur le plan. Voilà, machin. Entrée principale. Donc, derrière ça... Ah mais attendez, si ça se trouve je me trompe d'arbre. Eh, vous savez quoi, je vais prendre la pelle et je vais tout fouiller. Le tiroir à côté du cerf. Quoi? Non mais me dites pas qu'il y a un truc aussi évident que j'ai loupé depuis le début. Cerf. Alors non mais là alors. Allez 0 1 8 4 6. Allez hop, c'est parti. Depuis le début, le seul plan pas compliqué à prendre qui est dans un tiroir, je l'ai pas trouvé. Mais frère, je suis une fraude. Bon, alors du coup, je pense que c'est là. Ouais, par contre, si je peux toujours pas creuser, ça va pas aller. J'avais bien regardé le plan, hein. C'est là, j'en suis sûr. C'est pas derrière ça, là? Oh! Je suis en train de devenir fou, les gars. Je deviens fou. Le banc. Comment ça le banc? Mais me dites pas que je suis à côté de la plaque. Oh mais oui! Moi dans ma tête l'entrée principale elle est là. Alors que l'entrée principale elle est là. Moi je regardais là depuis le début, j'étais là. Alors qu'en fait là il y a l'entrée principale. Là il y a le petit renfoncement du sous-sol. Et là il y a le banc. Ah ouais, donc je sais pas lire une carte. Oh c'est une dinguerie, comment je sais pas lire une carte? Attends mais en plus il traîne au niveau du banc lui maintenant. Regarde. Pourquoi il traîne ici maintenant? Non, c'est trop, la tête d'homme, c'est trop. Attends. Voilà, je la tire. Comment il... Barre-toi du banc! Non mais attends, non mais là c'est pas possible. C'est un campeur! Comment il sait que je viens là? Tout à l'heure, il attend... C'est pour ça qu'il attend là, en fait. Il attend que je vienne sur son banc pour m'exploser la gueule. Il m'a vu. Non! Il m'a tiré dessus! Oh, mais non, mais c'est trop! Mais comment il sait? Il y a une fenêtre ici. J'ai cassé la fenêtre, il devrait venir voir, non? Oh, il est plus là. Oh! Oh! Mince! Il faut les bonnes couleurs! Attends, violet c'était le 0. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Non, je crois que je vais devoir me couper la main, les gars. On va dire violet c'est le 0. On va. Oh non, j'ai pas les bonnes couleurs. C'est pas grave, j'y retourne. J'ai pas peur. Ok, violet c'était le 0. Eh, hey, je suis chaud. 1 blanc, 4 vert, 8 bleu, 6 rouge. 1 blanc, 4 vert, 8 bleu, 6 rouge. 1 blanc, 4 vert, 6 bleu, 8 rouge. Je suis un monstre. Oh la mémoire de fou que j'ai. Je sais pas si je suis chaud, mais quand même. 80 164. Il arrive pile quand j'ouvre. J'ai envie de vomir. Pardon. Oh. Oh. Let's go. On a gagné, les gars. Let's go. J'ai une nouvelle clé. Let's go. Par contre, vous savez ce que ça veut dire? Ça m'inquiète encore plus. Ça veut dire qu'on va retourner dans le manoir. Let's go. J'ai peur. On a réussi. Eh, c'était tellement dur. Eh, je suis choqué de la difficulté du level, hein. Mais là, le PNJ, il était trop fort. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Là, ça va être l'épisode de l'horreur. Si ma déduction est bonne, les corbeaux, ils sont tous au-dessus du manoir, mon pote. Ce qui veut dire que cette clé va nous servir à ouvrir une nouvelle porte du manoir. Ce qui veut dire qu'il va falloir continuer à enquêter chez le voisin. Oh. Ah non, c'est un corbeau. Je voyais un truc ici, ça me faisait peur.
Ok, donc les gars, le manoir, en vrai ce qui est bien c'est qu'on le connaît un petit peu grâce à la... au troisième épisode, on avait déjà enquêté. Du coup j'imagine que c'est le voisin encore qui se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas où il est. Ok, c'est effectivement... Attends, il m'a déjà vu. Wouah, c'est un sniper. Il m'a vu à 10 km. Ça risque d'être très dur. Maintenant, il va falloir découvrir à quoi... Tu l'as vu ou pas? Oh, il fait bader le voisin, c'est trop mec. Il y a un garage dans le manoir, est-ce que ça peut permettre d'ouvrir? Non. Non, pas du tout. Le garage, je sais même pas comment il s'ouvre. Bah, je pense que c'est à l'étage, les gars. Je pense que le voisin, il campe à l'étage. Ok, j'ai attiré, j'ai fait du bruit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, il sait parfaitement où je suis, pardon. Non, je crois qu'il sait pas où je suis. Waouh, 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 waouh. Ça commence avec un coup de pression. Il est redescendu. Ça peut peut-être... Bah voilà. Et ben... Oh, bah voilà. On est de l'autre côté. Ça permettait d'ouvrir ça, les gars. Ici, il fallait qu'on mette un poids pour ouvrir ça. Mais on n'a pas... Oh, c'est quoi ça? Merde, ça fait du bruit. Merde, merde. Ça fait du bruit, là. Le voisin a deux tuyaux. Ok, donc ça, on fait plus jamais tourner, c'est pour l'attirer. Donc, très mauvaise idée. La lampe. Ah, ok. On va laisser fermer pour l'instant. Ok, la lampe permet d'ouvrir, donc ça, très cool. Mais faut sûrement que je trouve un truc, là. Ah, attendez, 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 attendez. Oh, mais... Oh, hein? Oh, c'est qui, lui? Oh, c'est sûr, c'est le prochain, les gars. Il y a la boulangère, il y a le chasseur. Ça va être le prochain auquel on doit enquêter. Mais il a l'air gentil de ouf. Tu diras, la boulangère, elle avait l'air gentille aussi, mais elle faisait très peur. Hein. Oh, c'est quoi, ça? Ok. J'ai trouvé... Oh, c'est quoi, ça? Attends, mais pourquoi il y a plein de trucs de corbeaux? Oh, attends, faut qu'on trouve un code. Oh, ah, faut qu'on arrive à ouvrir. Ok, les gars, il y a ça qui se trouve à l'entrée principale du ma... Oh, oh, il y a un pêcheur. Ah, mais le chasseur. Oh, le chasseur, c'est un ancien pote du voisin quand ils étaient jeunes. Faut surtout pas tomber sur ça. Ok, regardez, ça, les gars, il faut trouver 3 engrenages. Avec les 3 engrenages, ça va sûrement me donner une heure qui sera, j'en sais rien, ou peut-être ça va ouvrir un truc et il y aura le code du coffre qu'on a vu tout à l'heure. Donc il me faut un engrenage bleu, un engrenage vert, un engrenage jaune. Mais ça, ça sert à quoi? C'est encore un truc de corbeau. Eh, hey, mais il y a un délire avec les corbeaux. J'ai l'impression que le voisin se balade souvent en haut. Ah, il est pas là. Il est où, le petit biche? Les gars, le petit biche a disparu. Ah, mais regardez, je vais pouvoir ouvrir ça pour aller dans le garage. Et c'est sûr, dans le garage, il y a un engrenage ou quoi? Il me faut un pied de biche pour ouvrir une porte et j'ai pas de pied de biche. Ça veut dire qu'il faut que j'aille le chercher chez le chasseur, genre? Faut que je me tape une randonnée là maintenant. Ok, le chasseur là, il est chez lui. On le voit. Oh non, mais il va à l'étage. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais aller chercher la peine, les gars. Mais hé, hey, je veux m'incruster chez lui. Je veux juste prendre un pied de biche. Même ça, j'arrive pas. Oh, les gars, ça m'a donné une idée de vidéo. Imaginez une vidéo où on fait l'inverse. Moi, je suis chez moi. Je vis normal, en mode je regarde la télé. Je joue avec des potes à FIFA. Et je laisse par exemple une fenêtre ouverte ou des trucs comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. En mode sur une journée entière, il y a des abonnés. Ils doivent réussir à s'infiltrer chez moi. Genre, j'en sais rien. Il y a 4 entrées différentes. Et me voler des trucs sans que je m'en rende compte. Vous kiffez ou pas? C'est une dinguerie, non? Genre, moi, je suis chez moi. Il y a 20 abonnés que je sélectionne. Et ils devront préparer une strat et tout. Genre, si ça se trouve, faire du bruit à l'étage, je vais me dire ouais, il y a un mec à l'étage, je vais courir à l'étage et en fait le mec il sera passé en bas, il m'aura volé un truc chez moi. Bon, bien sûr, c'est ça sera encadré, c'est pas un vrai vol. Moi je serai lui, je serai chez moi tranquille et les abonnés ce sera moi. Bon, j'aurais peut-être pas un flingue. Là tu peux pas me dire qui va spawn ici là. Ok, c'est bon, il a pas spawn ici. Mais j'arrive même pas à récupérer un pied de biche. Oh, oh! J'ai plus rien dans mon inventaire! C'est bon! Je suis plus chez toi! Let's go! J'ai enfin mon pied de biche, les gars! Hop! Ok, on a accès direct à son garage. Là, le problème, c'est que je pense que je l'ai attiré. Ok, j'ai eu chaud. Ok les gars, il m'a pas eu. Oh,
J'ai fait zéro bruit. Je suis un génie, mec. La tête dans le... Oh. Je peux monter dans la voiture. Je peux rien faire. Oh. Faut une clé à molette. Je sais pas où il est. Oh, j'ai peur, les gars. Je suis infiltré dans son garage. Ça fait flipper. Oh. Dans le coffre, non? Ok. Je vais bien rester là. Wow. Oh, le plan, il fait trop peur. Oh mais les gars, le corbeau, j'ai oublié, j'ai perdu le corbeau. Une clé à molette, je pense, je peux peut-être la trouver dans son coffre. Non? Oh, mais si ça se trouve, c'est le corbeau. La tête d'homme, j'ai l'impression que c'est le corbeau qui ouvre. Le truc du corbeau. Oh, il est plus là? Hein? Les gars, on est d'accord, c'était là, non? C'était... Oh, oh mais j'ai un poids. Ah, j'ai un poids, je vais pouvoir ouvrir ça de l'autre côté. Ok, bon, très bien. Tu as jeté chez le chasseur quand t'as paniqué. Oh. On va faire un truc, les gars. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, il y a mon inventaire. Attends, il m'a vu là? Non, mais c'est trop le chasseur. Oh, il est là, il est là. Ok, c'est bon. C'est bon. Là, je sais que j'ai mon corbeau métallique. Je sais ce que je dois en faire logiquement. Est-ce que je peux ouvrir le capot? Ah mais attends. Oh. Oh. Un engrenage. Y'a rien d'autre? Wesh mais attends, mais il est bizarre le moteur de la voiture. Au moins le corbeau on sait à quoi il servait. Je pense qu'il doit y avoir un autre engrenage dans le coffre de la voiture. Donc maintenant il va falloir trouver une clé à molette. Et par contre il y a un autre engrenage parce qu'il en faut 3. Et je sais pas où il est l'autre. Hop là. Parfait. Attends mais l'engrenage jaune il me paraît énorme. Ok. Attends, mais ici, il n'y a pas de clé à molette. J'ai bien envie de fouiller partout, quand même. Hein. J'ai peur de louper des trucs. Les pots de peinture, j'ai une question. On peut pas les ouvrir? Ok. Oh, mais attends. Quoi? Oh, mais... Mais attends, mais je suis si nul que ça? Hein? C'était là-dedans depuis le début? Oh. Attends, mais... Je peux démarrer la voiture? C'est super dangereux, non? C'est Glock. Ok, j'ai une tête de sanglier. Je sais pas ce que je vais en faire. Oh là là, la discrétion. Oh bah attends, c'est pour... Ok, là j'ai la tête de cochon. Et je me rappelle, il y avait une tête de poisson que j'avais mis ici la dernière fois. C'était dans l'épisode 3, les gars. J'avais trouvé une tête de poisson et je l'avais mis sur un des ours. Mais ça avait rien fait parce qu'il me fallait une deuxième tête. Et je pense que c'est la tête de sanglier que je viens de trouver. Ok. Ça, je vais le laisser ouvert, les gars. C'est mieux quand c'est ouvert. Au moins, je peux m'échapper. Oh, je peux pas le prendre. Non, mais c'est des têtes d'ours ou des... Mais attends, mais je suis sûr que la tête de sanglier va même pas là, en fait. Oh. Ah, mais attends. Ah, mais voilà. Tête de poisson, ok. J'ai la tête de poisson. Ici. Y'a pas une tête de sanglier ou je sais pas. Oh. C'est tout? T'as rien activé du tout? Pourquoi y'a des tuyaux? Oh. En fait, la tête de poisson et les deux têtes. Ah, et le la tête de sanglier, elle va là. Et là, il manque une tête d'ours. Et je pense que la tête d'ours, ça ouvre le grenier. Regarde, les trois trucs qui sont reliés comme si... Oh, oh il est aveugle. Pourquoi il regardait là? Il y a un truc en mode il l'engueule, va au grenier. J'avais pas compris. Je croyais que le poids c'était pour ouvrir ce truc, mais pas du tout. Magnifique. Ok, donc les gars, j'ai deux engrenages. Oh là là, mais en fait, je suis trop perdu, hein. Il manque un engrenage bleu. En vrai, les gars, il y a le globe que j'ai pas assez regardé. Le globe, il sert forcément à quelque chose, les gars. On peut le faire tourner. C'est sûr, ça active un truc. Alors attendez, examinons, les gars. Le globe.
Mets le doigt sur la croix du globe. Le doigt sur la croix. Mais vous êtes des génies. Oh, comment je... comment j'ai escaladé ça, moi? Mais comment je tiens là-haut? Non mais alors là, les gars, là j'ose le dire, sans mon chat... Quoi, il m'a vu? Sans mon chat, j'aurais jamais trouvé. Ok, il sait plus où je suis, c'est bon. Sans le chat, j'aurais jamais trouvé. Ok, et là, il est 11h35. Les gars, oh. Le code, c'est 1135. 11h35. Dans tout ça pour un appareil photo. Oh, on passe en mode animation. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je vais faire un cauchemar, les gars. Wouah, ça... Oh. Quoi? Le lustre, il a fait tomber un... une pièce. Oh, les gars, le streamer. Oh, les gars, le streamer. Wesh. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Les gars, j'ai trop peur, je vais plus oser aller dans le manoir. Oh, oh mais regarde, on voit le mec. C'est le mec qu'on avait vu, les gars, au manoir. Bah, je pense que le prochain épisode, ça va être chez lui, hein.